Today, we'd like to welcome you all to Sandam. Now, we started this race 10 years ago with 9 teams in this room. There were 120 teams registered here from 24 nations. So I think we're a growing family. So as you know, the course is long. It's bloody long. And you will probably get lost somewhere in your mind along the way. But just keep on going. You know that as long as you have the wind from the back, and you'll feel the wind tomorrow, you're going in the right direction. Alors, il y a généralement, donc c'est les organisateurs viennent du raid, d'accord. Donc, c'est pas du tout un triathlon manucuré où il y a une bouée tous les 20 mètres avec quelqu'un qui vous donne à manger ou à boire tous les 500 mètres. Généralement, il y a quelqu'un à l'entrée d'eau qui vous indique la direction générale. Et généralement, il y a une marque de l'autre côté. Mais par exemple, là, il y a une des natations qui fait 1,7 km et il y a un point de l'autre côté. C'est un sorte de phare, une sorte de flash. D'accord. Donc, il faut savoir naviguer. Et sur Terre ? Sur Terre, la plupart des épreuves sont très bien balisées. Et les rivalises, il y a un entraîneur. Est-ce qu'on peut espérer ça, la triche, ben, alors, la triche, tout dépend des parcours. Là, par exemple, on part de l'extrémité nord de l'archipel et on descend au sud. C'est très limité. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres courses où on peut ou bien se perdre, ça peut arriver aussi, ou bien des courses où justement il y a la possibilité de tricher. Pour l'Hôtel-Reiss, vous demandez quand même d'avoir un compas. Oui, compas et une carte. Bien, parce qu'il y en a qui sont tellement désorientés, qui repartent à l'envers. Ça arrive. Ou faire le tour de l'île dans le mauvais sens. Ça peut être très long. Dispersée dans une galaxie inaccessible. C'est la beauté sauvage de l'archipel de Stockholm, tellement unique qu'il a donné naissance à un sport, le swimrun, où l'on court en combinaison néoprène et où l'on nage chaussures aux pieds par équipe de deux. This is an entry in the Stockholm archipelago. It's about trying to be at one with it, I guess, and rolling with it as best you can, as fast as you can through it. Sur les rochers, c'est en forêt, c'est des fois il n'y a même pas de chemin. Puis les parties natation, c'est pas plat, c'est il y a des vagues, il y a du vent, il y a des courants. C'est l'adventure, le challenge of a team with a mate, with a friend against Mother Nature, if you like, against the elements. Expatriés à Stockholm, Julian, l'Australien, et Nicolas, le Français, se sont vite convertis à ce sport hors norme. Au point de viser la victoire dans la plus mythique des courses de swimrun, le Tille, Tillandil en suédois. The training is actually since 2 weeks now, and it's just to get confident in this exit of the water, just to with a rope, with a tall rope. And also to get into the racing speed. Just keep the body active also. Mais tous n'abordent pas le Tilleux avec d'aussi hautes ambitions. Ok. Maintenant, ça prend des potions magiques. Bon, on commence. Le sifflet. Je pense qu'on peut l'accrocher à un truc. Le check. C'est obligatoire, ce système de sécurité, comme un trail où on est... Voilà, c'est exactement. La plupart des courses demandent, exigent un sifflet, un binôme, c'est pour la sécurité. Sur les conditions météo, la combinaison est obligatoire. Il y a une course qui impose le pull boy, mais ça, c'est pas... chaussures obligatoires, lunettes...
Le reste, généralement, est... Des fois, il y a aussi des puces GPS qu'on a sur soi. Ils n'essayent pas de faire trop de règlements. C'est la sécurité, parce que quand je vois sur la natation, je n'ai pas vu de bateau. Il y a des Alors c'est la caméra qui le fait. Là, c'était simplement une démo. Ah, d'accord. Mais c'est vrai qu'on est, on n'est pas suivi par un kayak tous les... Non, mais s'il y a un kayak posé, si on a un problème avec la mec... Mais le kayak peut être à 200-300 mètres. Voilà, puis il vient le chercher. Vous pouvez bien savoir que la première ligne de défense, c'est votre binôme. Oui. C'est ça. Si le kayak est à 10 minutes, vous pouvez attendre 10 minutes. Non, alors, non, ils sont attachés pour la vitesse. C'est-à-dire que c'est très rare que les deux binômes soient exactement à la même vitesse en tout long et en natation et en course à pied. On a des coups de moins de mieux, des coups de moins bien. Et donc ça, c'est surtout pour ça. Alors, on a vu qu'il y a tout une panoplie de matériel, sûrement qu'on va faire l'inventaire un petit peu plus tard sur la présentation. Par contre, est-ce qu'il y a justement un matériel qui n'est pas autorisé? Est-ce que je dois être des femmes? Est-ce que je dois une frontale? Est-ce que je dois un masque? Ça dépend des organisateurs. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est là, il n'y a pas une règle qui est suivie par absolument tous les organisateurs. Essentiellement, oui, les palmes sont autorisées, mais après il y a un compromis. Au Tilo, il faut courir 65 km en portant des palmes. Donc, combien on gagne? Il faut sortir de l'eau avec des palmes. Et le Tilo, vous allez voir que. Et les rochers, tout ça, ouais. Et on travaille plus les jambes. Donc, c'est des compromis. Mais oui, il y a des. Par exemple, les engins de flottabilité sont limités à 1 mètre par 60 cm. Donc, on ne peut pas arriver avec un kayak gonflé. Et il y a un peu de la vie de planche. Donc, à soi, sinon, tout est autorisé. À peu près. C'est l'esprit de... En fait, c'est l'esprit de liberté qu'il y avait. Il voulait que les gens soient inventifs. Ils viennent avec des idées. Qu'ils utilisent leur tête, plutôt, mais aussi leur corps. Mais c'est partie de l'ADN de ce sport. Alors, quelque chose qui est en train d'évoluer, par exemple, il y a des épreuves où il n'y a pas de plaquettes. Les plaquettes sont interdites. Par exemple, il y a une série de courses en Italie où ça c'est interdit. Tout dépend des organisations. Voilà, puis la volonté c'est de laisser quand même les organisateurs décider du règlement, leur règlement. Tout à fait. On est plutôt dans cette démarche-là. Pas de vélo. Ouais, il n'y a pas de vélo, donc il n'y a pas de vélo. C'est bon, ça va être facile au niveau équipement, mais en fait, c'est vachement plus compliqué que le triathlon. Chaussures, c'est bon. Ouais. Les trous, ils sont toujours là. On n'a pas perdu. Voilà. Parce qu'on fait des trous dans les chaussures. Hein. C'est cette petite technique de dernière minute aussi. Alors pourquoi fait-on des trous dans les chaussures? Pour favoriser le drainage. J'ai pas forcément pris autant au sérieux qu'un aéronome. On se dit, bah tiens, 6 mois ou 8 mois avant, on se dit, allez, je m'inscris. Là, je me fais une bonne prépa. Là, c'était plus bah, chouette. On a été tiré au sort pour cette course. On va aller en Suède, ça va être cool. On va voir des paysages magnifiques. Et puis, voilà. On sait pas forcément. Comment ça va se passer, et c'est ça qui fait le plus. Et du coup, on essaie de se parer à toute éventualité. C'est pour ça qu'on rajoute des trucs un peu au dernier moment, si on ne sait pas si on va avoir froid, si on peut nous manquer des... La combi qui a pensé. Merde. Ah merde, je savais qu'il nous manquait un truc. On sort un peu de nulle part, mais on arrive, on est tiré au sort, mais on est quand même à l'entraînement, on est des bons triathlètes, on fait toujours moins de 10% hein, sur les courses au triathlon, donc on a la caisse, on s'est bien entraîné. Et pour nous, on n'était pas les touristes, mais au final, on était. C'est le système du triathlète. Hein. Donc, ça, c'est ni plus ni moins que des chambres à air de vélo qu'on a découpé. L'idée, c'est de pouvoir accrocher ça au niveau de la jambe. On va pouvoir tourner le poule à ce niveau-là quand on rentre dans l'eau, puis on enlève et on le remet ici. Voilà. Puis là, on peut courir avec. C'est pas du tout connu encore, et donc c'est un peu du bricolage. Ouais. On va pas se mentir, c'est du bricolage. L'inconnu, le mystère, c'est ce qui attire la plupart des Français qui s'inscrivent à l'ETILE 14 cette année, répartis dans 8 équipes. Auparavant, il faut montrer patte blanche, finir sur le podium d'une des 5 courses qualificatives, justifier d'une grosse expérience en endurance, ou être tiré au sort parmi les recalés. C'est le cas de Thomas et Sylvain. Je commence à être tout trempé là. Ouais, pareil, je pense que c'est là, l'ETILE. Premier rendez-vous la veille de la course sur le port de Stockholm. Deux ferries spécialement affrétées doivent amener les concurrents sur le lieu du départ, au cœur de l'archipel.
est rentré dans le bateau qui était déjà plein, où il y avait toutes les autres équipes, et en fait on voyait qu'il y avait une certaine pression, une certaine pesanteur dans ce bateau. Et c'est là où on s'est dit, c'est peut-être pas si disneyland que ça. Il y en avait beaucoup qui étaient, voire la plupart, on peut dire, qui étaient plus costauds que nous. Bah ouais, surtout au niveau des bras et des épaules. Donc tu vois clairement qu'il y a du nageur dans le bateau et on prenait ça un peu à la rigolade. On voyait des gens qui étudient des cartes. Nous, ça nous faisait rigoler. Bon, on s'est dit, on connaît peut-être pas de cours dans les détails, mais. C'est vrai que ça nous a étonné de voir des gens qui étudiaient les cartes et on s'est dit, mais nous, on n'a pas du tout regardé les cartes. Ouais, c'est pas là-bas, voilà. Nous. Là, on connaît les distances. Oui, sur deux, c'est l'âge. C'est tout droit. Difficile de se laisser aller. Dans moins de 24 heures, il faudra prendre le départ d'une des courses les plus dures et les plus imprévisibles au monde. Certains sont pourtant décidés à ne rien laisser au hasard. 1400. Alors on écrit en fait chaque code et chaque seuil sur notre bras pour pouvoir se repérer pendant la course, en fait, pour être prêt, pour rentrer dans l'eau sans perdre de temps. C'est vraiment en écrivant la distance sur nos bras qu'on a pris conscience du nombre de transitions qu'il allait avoir, des portions courtes, des portions longues, des endroits où est-ce qu'on allait devoir enlever la combi, où il allait falloir se ravitailler ou remplir les gourdes si elles étaient vides. C'est vraiment dans le ferry en fait qu'on s'est dit, ben voilà, là on rentre dans la course et on commence à se préparer mentalement. Le père de Tom s'improvise cartographe pour que surtout le duo ne se perde pas. Deuxième de Langadine en Suisse, l'une des courses qualificatives, Tom et Elfie connaissent déjà les pièges du swimrun. On essaie de faire le moins de kilomètres possible. On a eu une première expérience swimrun. On s'est trompé dans le chemin, on a fait 2 km en plus et à la fin, ça compte. Les seuls à profiter du voyage sont ceux qui ont déjà pris le départ, comme Boris et Benjamin. 15e l'an passé pour leur première participation. La dernière, on s'est qualifié au dernier moment. On y allait pour finir avant tout, et puis là, on a fait le bon cœur. Ça donne envie de faire un masque. C'est de la course qu'on a posé. Ah, ça fait quelque chose de voir. C'est excitant. C'est pour ça que ça nous a. Il faut le faire.
de pouvoir. Et on n'avait qu'une ou deux équipes qui terminaient la course. Et on se disait, ils n'ont rien compris. The first years, nobody had a clue. We were so slow. We actually had people thinking that you cannot run in a wetsuit and you cannot swim with shoes. So on every leg they stopped, took their shoes off, put them in the dry bag, and when they came to land, they took their wetsuit off. So they spent maybe 15 minutes in every transition. Parce qu'il ne faut pas courir de cette façon. Il faut courir en ne jamais s'arrêter. Et quand les coureurs ont compris ceci, soudainement c'est parti. Et on a dit, ok, c'est bon, ça va partir maintenant. Au début, on ne savait pas que ça deviendrait un sport comme ça, mais après 3-4 ans, on a dit, ouais, ça va, là, on va essayer de pousser, on commence à créer quelque chose de nouveau là. You can go out in this environment and run the way you like, and when there's water, you jump in. There are no rules about the bike legs and the transitions. Here you invent it yourself. Les vélos ont été utilisés une seule année parce qu'ils voulaient que les équipes arrivent à finir. Et donc il y a une portion qui va à 19 km de course à pied en un seul tenant. Donc là, ils ont dit pour arriver à ce que les équipes finissent, on va leur filer des vélos. Et ça a été fait une seule fois et plus jamais. Et on est sur 19 km quand même. Ah oui. Non, l'île n'a pas changé. Ouais. On arrive à un point de l'île et on ressort alors. Oui, on peut dire que les barrières horaires, il y en a au moins deux, quatre. Et la première est assez dure à atteindre parce que, en calculant, c'est comme en trail, en calculant bien, ils savent que ceux qui n'atteignent pas la barrière, ils n'arriveront pas à temps avant le coucher de soleil. Et là, je vous rappelle qu'on est dans un milieu marin, des fois, et nager la nuit, c'est vraiment dangereux quand on est épuisé et qu'on est désorienté et qu'il fait froid, etc. Donc ils savent très bien qu'il faut absolument éviter la nuit. Donc ils mettent une première barrière qui est relativement... Elle est dure. Elle est dure. Nous, on avait carburé et on est arrivé peut-être 20 minutes avant la première barrière horaire. 20 minutes et on était dans facile dans la première moitié. Oui, on était dans la... Donc il restait 20 minutes pour que tout le reste se passe, quoi. Oui, c'est... Après, ça va mieux. Après, elles sont plus faciles. Ouais. Mais il y a aussi l'autre raison, c'est que c'est des problèmes d'organisation. Là, sur cette course, toute la course se déplace. Donc, on part tous groupés, et puis petit à petit, ça s'effiloche. Donc, les organisateurs ont beaucoup de mal à suivre tout. Et puis, honnêtement, il y a des personnes qui ne sont pas capables de se suivre. Parce qu'il y a des gens qui sont tirés au sort aussi. Oui, voilà. Qui sont surpris. Il y a des gens qui sont qualifiés. Sur les qualificatives, hein. Donc les premiers de leur catégorie, ils ont largement le niveau. Mais il y a quand même une partie où les gens sont tirés au sort et qui n'ont pas forcément le niveau. Ou alors, par exemple, on peut avoir des bons trainers qui ont des problèmes de natation et vice versa, des bons nageurs qui ont du mal à courir. Ouais, les barrières horaires sont importantes. Sinon, il y a dans toutes les compétitions des barrières horaires. Pratiquement, oui. À l'origine, ils ont autorisé, mais c'est plus autorisé. Mais ils ont travaillé ça toute la course. Ah oui, ah non, mais fais gaffe, ah, c'est pas l'arrivée, je te donne ça. Mais elles étaient dégonflées la plupart du temps. Ouais. Ils ont les règles, on peut changer. Pas de moteur, ni de flotteur, depuis 1 mètre sur 60 cm.
Le coureur est libre dans le choix de son équipement à condition de le transporter seul du départ à l'arrivée. Le matériel obligatoire, lui, est dérisoire. Ce sera moins lourd aussi parce qu'on est assez chargé déjà. Donc, si on fait une mariée, ce sera pas bien compliqué. Aujourd'hui, les coureurs font presque tous les mêmes choix. Des plaquettes pour nager plus vite et un pull boy pour mieux flotter. Pour faire la différence, restent les chaussures. À peine installées, Laetitia, un nautilus au compteur et Joël, son équipier autrichien, se mettent en quête de la bonne paire. Elles ont des petits pics et c'est censé mieux accrocher la roche. Je crois que ça les accroche mieux. Il devrait nettoyer un petit peu le terrain. Alors, ce qu'il faut sur les chaussures, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Quelles sont les bonnes chaussures pour le swimrun? En fait, ça dépend. Les critères, c'est avant tout que la chaussure soit adaptée à votre pied, parce que c'est pas la peine de prendre une chaussure dont quelqu'un va recommander et dire elles sont super et ça correspond pas à votre foulée. Donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est la semelle de swim. Si on compare ne serait-ce que celle-là, c'est deux paires de chaussures, il y a plus ou moins de crampons. Et les courses sont très différentes. Donc, par exemple, sur le tilo, il y a du rocher très glissant, comme on voit. Il y a un petit peu de route, il y a de la forêt vraiment très technique, avec de la mousse, etc. Il y a d'autres courses qui se déroulent tout le long sur, par exemple en Italie, il y en a une qui est en bordure de Venise, entre Trieste et Venise, c'est que du sable tout le long. Donc on n'a pas besoin des mêmes critères. Donc la chaussure doit être adaptée au terrain qu'il y a. Donc c'est vraiment le pied, le terrain. Après les trous dans les chaussures, la plupart des bonnes chaussures de trail drainent très vite. Donc ça fait un petit peu partie de la légende. Ça ne peut pas faire de mal. Yeah. Question sur les chaussures? Non. Absolument. Ouais. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que la tige de selle ne soit pas trop haute, parce qu'on n'arrive pas à mettre le pied en flexion. Enfin, ça, c'est la seule chose. Il y a des chaussettes ou pas? Chaussettes, généralement, on met des chaussettes. Moi, par exemple, je n'en mets pas entre elles, mais j'en mets souvent en swimrun. Et la raison est la suivante. On rentre et on sort très souvent dans des petites plages, des choses comme ça, des petites criques, et il y a du gravier qui se met dans les chaussures. Alors, avec les pieds trempés pendant 5-10 heures. Et pas n'importe quelle chaussette. Moi, j'ai appris ça très vite. C'est que si on a des chaussettes avec des petites surépaisseurs, cette surépaisseur a tendance à prendre l'eau, elle est plus lourde. Et quand on court, la chaussette, elle descend petit à petit et elle se retrouve au fond de la chaussure. Donc il faut des chaussettes avec vraiment fines. Ouais. Ou montant. Il n'y a pas des fabricants qui font du spécifique sur ça, ça commence. Avec toutes ces contraintes. Ça, c'est une innovate très populaire dans le swimrun, mais au départ, c'était destiné aux courses à obstacles. Mais quand on regarde les courses à obstacles, c'est exactement les mêmes contraintes que le swimrun. À savoir que les courses à obstacles, c'était les Mud Bay, les Spartan Race. Donc, il faut monter des obstacles, il faut aller dans l'eau, il faut que ça sèche vite. Donc, il y a déjà des choses qui n'existaient pas avant, qui sont servies. Moi, je cours avec celles-ci qui sont légères, aussi, pareil, avec un bon drainage. Par exemple, il y a Salomon qui a créé un proto qu'on a testé cet été. Vraiment un proto spécifique swimrun. Donc les fabricants, ils se positionnent tous plus ou moins sur ce sport d'avenir, bien qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de pratiquants. Mais pas si nombreux que ça. C'est un sport d'avenir parce qu'il y a de belles valeurs. Et puis, mais les fabricants ont quand même le challenge de pouvoir sortir une chaussure qui va aller sur tous les terrains. Et ça c'est la première chose. Il y a des gens qui aiment le zéro drop, comme moi, il y en a qui préfèrent avoir plus. Donc je pense qu'ils auront quand même des difficultés à faire une chaussure qui va couvrir tous les besoins.
Peut-être que tu connais mais... bien le... Ouais, c'est un échange que j'ai assez fréquemment avec les marques, notamment celle que tu as dans les mains. Pour l'instant, il n'y a pas commercialisé actuellement de produits spécifiques sur web. Après, c'est vrai qu'on peut trouver des produits qui sont là, qui vont être spécifiques sur web dans quelques années, finalement, qui vont être très proches de ce qu'on a déjà fait en ce marché. Ça sera plus un aspect marketing qu'autre chose. Après, tu vois, comment tout ça peut évoluer, il y a une telle différence au niveau des diversités, au niveau des terrains. Je pense même qu'il y a certaines chaussures de route très légères, des marathons de compétition sur là, qui vont être très très performantes, des gommes très tendres et très accrochantes sur la roche relativement lisse. Pour voir ça, c'est à essayer. Moi j'en ai fait un au Tilo avec des Vivo Barefoot, extrêmement minimaliste. Je pensais même à une Adios de chez Adidas, extrêmement souple. Pour avoir un petit peu notamment sur le profil de Marseille, et ça je pense que ça peut être assez intéressant. C'est à voir, hein. C'est, tout dépend du relief. Je pense que pour monter dans les calanques, ça c'est pas forcément adapté. Si c'est un profil un petit peu mixte, un peu urbain, ça peut être intéressant. Ça reste très léger, ça va évacuer énormément d'eau. Une chose que les gens ne réalisent pas, toutes les chaussures de course à pied, quoi. Il y a toutes de la mousse, d'une manière ou d'une autre. Alors, on relève des gens qui disent, ouais, est-ce qu'il y en a qui flottent mieux que d'autres? Ah, d'accord. Par contre, au niveau natation, ça limite énormément les battements qu'on peut faire. Donc, les bons nageurs qui ont l'habitude de nager en 6 temps, par exemple, se retrouvent très rapidement à battre très peu des jambes. D'où le pull buoy pour garder les jambes en l'air. Économiser les gens pour la course à pied. Si on voit le coup, c'est vrai que le pull-boy a l'air assez utilisé, mais si on n'a jamais nagé avec, on n'a jamais nagé avec des plaquettes, pour démarrer, c'est mieux de faire sans rien ou de prendre tout. Alors, le pull-boy, ça dépend de la position dans l'eau. Donc, les gens qui ont déjà les jambes très relevées, avec en particulier qui arrivent à bien lever leurs jambes. En contractant leur dos, n'ont pas nécessairement besoin des pull buoy. Et ça dépend aussi de la salinité de l'eau. Il y a des courses qui, par exemple, en Méditerranée, l'eau est plus salée, on a moins besoin de que dans des lacs d'eau. En général, quand même, le pull buoy a très, très, très peu de désavantages, excepté si on crée une hyperlordose. Ça, c'est le seul problème. Les plaquettes, Le danger, c'est les épaules, la coiffe des rotateurs qui peut être abîmée. Donc, il faut être prudent de ce côté-là. Venir essayer pour peut-être mieux ne pas s'en servir. Et... Voilà. Le conseil principal, c'est jamais aller dans une course sans tester le matériel avant. Ah oui, non, ça, d'accord. Moi, c'est sûr. Dire, même si je teste deux fois les plaquettes, je suis pas sûr d'avoir une séance avec. En plus de ça, très souvent, les gens commencent à prendre les plaquettes en piscine. Et en mer, c'est très différent. On peut se faire accrocher par une vague, la entrée d'eau est pas lisse. La vague peut être montante ou descendante. Et on a d'autres problèmes. Voilà. En matière d'équipement, on parle des combis. On peut parler des combis. C'est une combi qui est équipée ou c'est quelque chose qui a été fait pour le swing run? Alors, les combinaisons qu'ils ont celles-ci, c'est des combis Up, par exemple. Il existe aussi en triathlon, mais ça, c'est une spécifique swimrun. Ils livrent avec le bas, mais en général, les swimrunners, ils coupent. Et ils se servent du bas comme de manchon s'il y a vraiment la température chute. On les récupère pour... Voilà. Ah, d'accord. Sinon, les spécificités de la... c'est qu'il y a deux zips. Un zip devant et un zip derrière. Donc, c'est très important pour pouvoir gérer la température quand on sort de l'eau. S'il fait chaud, on enlève directement les deux. S'il fait moyen, on enlève simplement que le devant. Parce que le swimrun, finalement, on est beaucoup dans la gestion de température. Le froid, le très froid, le très chaud. Ouais, exactement. L'autre option, c'est d'avoir un seul zip devant, qui permet d'avoir des combis moins chers, parce qu'il y a quand même aussi un ajout de coût avec un zip.
Quand il fait froid, par exemple, à cette saison, en ce moment, en fait, on n'enlève jamais l'eau. Donc, on n'a pas vraiment besoin de, d'aération derrière, on ouvre juste devant. Il faut... Tout dépend de la température. La dernière course que j'ai fait, l'eau était à 10 de... l'eau était à 10 degrés, l'air à 10 degrés. Donc, j'ai pas eu, j'ai pas eu très chaud. Tu n'as pas un t-shirt si. Dessous pour enlever quand tu... Oui, 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 aussi. Après, il faut quand même aussi se souvenir que jusqu'à il y a moins de 3 ans, il n'y avait pas de combi spécifique. On faisait quand même du swimrun. Donc, les combis triathlon, ça marche. C'est plus lent parce qu'on n'a pas d'aération devant. S'il faut les enlever, c'est un petit peu plus difficile, mais on a un bidon qui est là pour nous aider. C'est faisable. Mais donc, il y a le choix entre si l'eau n'est pas froide, pas de combi, une trifonction ou un short et t-shirt, quelque chose comme ça. De l'eau un peu plus froide, jambes coupées, donc il y a beaucoup de fabricants qui les fournissent maintenant coupées. Couper les bras ou pas. Ça dépend pas mal des individus. Et donc, les deux autres choix, l'autre choix, c'est combi triathlon, combi avec un seul zip devant, combi avec deux zips. Alors, pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'on met sous la combi, moi, ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est une trifonction. Parce que, on s'en fait pas avec un short et un t-shirt, on a directement ça sur soi. Et les frais, on n'a pas de frottement, etc. C'est très pratique. En plus, on a un avantage, c'est qu'on peut glisser des fois des petites flasques. Ça sert beaucoup de ce genre de choses. Ça, c'est. En swimrun, on ne prend pas de lourd dans son temps. Parce qu'une fois que c'est vidé, ça prend très peu de place. Et ça se... Beaucoup de combis ont maintenant des poches à l'arrière. Donc, par exemple, là, on peut mettre pas mal de choses. Ou une poche à l'intérieur, comme celle-là. Le plus bas, ça serait ton short de course à pied et ton t-shirt. Donc ça pourrait être vraiment le plus bas. Les combis sont pour l'instant, à mon sens, un peu chers. Il y a des modèles qui vont être commercialisés l'année prochaine qui seront un peu moins chers. Mais ça sera une pochette entre 250 et 500 euros. D'accord, oui, mais 250, est-ce qu'elle passe dans des températures Alors, c'est pas nécessairement qu'elle soit plus épaisse ou pas. En réalité, voilà, ouais. Voilà. Donc, en réalité, c'est souvent qu'ils prennent un néoprène plus fin, d'accord. Qui est à la fois plus fragile, mais aussi plus souple, et aussi qui protège moins de l'eau froide. Donc, c'est des compromis à trouver. Je vous ai posé la question. Ouais. Oui. Celle-là sera commercialisée l'année prochaine. Celle-là, elle coûte 400 euros. Combien ? 400 euros. Alors, Jessica. Est-ce qu'on est dessous pour les filles ? On a juste une brassière et un bas de maillot, un petit chantier. C'est pas gênant au niveau des frottements. Alors, maillot de bain, moi je recommande non. Simple maillot de bain, parce que les maillots de bain sont faits pour tenir par eux-mêmes. Et donc, en fait, ils ont une couture assez épaisse pour le tenir. Il vaut mieux carrément mettre un short de course à pied, collant. Honnêtement, sans couture de course à pied. Voilà, exactement. Ça sera parfait. En haut, alors là, pour les femmes, il y a un débat chez les femmes, parce que les femmes qui ont plus de poitrine et qui ont besoin de plus de soutien, mais quand elles portent la combi, elles n'en ont pas besoin, parce que la combi les tient suffisamment. Voilà. Moi, je pense qu'il vaut mieux se mettre exactement comme on pourrait courir s'il fait chaud. On va vouloir enlever, et donc on va être confortable pour courir. Mm-hmm. C'est vraiment fait pour. Il y a vraiment une différence entre les combis de swimrun et triathlon. Ça, c'est flagrant. Ah oui ? Une seule combinaison peut vous faire toute l'année ou... Ben moi, j'ai couru pendant 2 ans avec une combinaison de triathlon coupée. Donc, tout à fait. Alors, moi, ce que j'ai là. Alors, pour fonctionner sur un budget, moi, ce que je préfère, c'est donc une combi comme ça coupée aux jambes et aux bras.
garder les manchons et les mettre en fonction de la température. Ce qui permet aussi, par exemple, dans la course, de partir en Suisse. Je suis parti avec les manches longues, et puis quand il a commencé à faire chaud, juste je les ai enlevées, gardées dans le bas du dos. Les manchons ne glissent pas en droit? Non, alors en bas, moi je prends des chaussettes longues, justement, qui font le double usage, qui protègent les pieds et qui tiennent les manchons. Sur les bras, non, il faut adapter, il faut trouver le bon compromis. Mais... Sinon, il y a un petit truc que j'utilise, moi. C'est simplement des compressions, des manchons plutôt. Et dedans, je glisse des petits bouts de polystyrène pour mieux flotter à l'intérieur, comme ça. Donc, ça peut être rigolo, mais plus on est horizontal, et moins on dépose d'énergie. Et au final, c'est ça qui compte. Oui, je nage avec le maximum de choses. Quoi. Il a changé sur ce point-là. Il a changé. Naturellement, j'ai une bonne flottabilité. Je me suis rendu compte que si on ajoute encore plus de flottabilité, c'est tout du bénéf. Tout bénéf. Les frottements. Encore une fois, ça dépend des gens. Voilà, c'est vaseline, c'est huile d'amande douce, des choses comme ça. Certaines personnes ont la peau plus sensible, d'autres moins. Moi, par exemple, j'en mets pas, j'en mets juste un tout petit peu autour de la nuque pour éviter les frottements juste à la nuque, mais c'est tout. Donc, ça, c'est très, très individuel. Alors, l'une des choses à l'entraînement qu'on ne voit pas tout le temps, c'est que les eaux sont différentes.
Et on s'en aperçoit vraiment. Pour un exemple, dans la Méditerranée avec une eau assez salée, tu vas faire une course en lac avec de l'eau très douce. Tu vas aller faire une course, par exemple, dans les îles Scilly au sud de l'Angleterre, où l'eau est très brassée et il y a énormément de petites particules, entre autres de granit, de quartz et des choses comme ça. Et là, on s'est tous, absolument tous, brûlés. Oui, beaucoup plus les gens qui ont bien l'habitude. On s'est tous brûlés plus qu'à une autre course où ça passait bien. Alors ça, c'est un petit peu difficile à doser. On a fait un peu avec la gelade, vous le savez. Voilà, exactement. Bah, à chaque fois, on apprend des choses. L'autre aspect auquel on voit avec les différentes équipes, c'est qu'il y a des objectifs complètement différents. Il y a ceux qui sont là pour gagner. Il y a ceux qui veulent faire une perf, mais la perf, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un classement, ça peut être un temps. Alors, les temps, c'est comme entre elles, ça varie énormément. Il suffit que le vent change de direction et les natations augmentent de 20% de temps. Donc, ça, c'est très variable. Et il y a ceux qui veulent juste finir déjà pour en faire un premier. Ah, exactement, c'est tout à fait. Tout est là. 13 degrés. Il va pourtant falloir y nager pendant 1750 mètres. À 5h du matin. Surtout sur la première natation, c'est vraiment la distance. C'est-à-dire que quand j'ai dit il faut que je vise le flash, c'est un point blanc qui est tout petit. Et je me dis, ouais, là, il y a vraiment 1700 mètres, quoi. C'est bon, hein. C'est bon. 1700 mètres, c'est hyper long, quoi. Et puis au final, 1700 mètres dans une eau à 13 degrés à 6h15 du matin, ça pique un peu. C'est un délai commun, c'est un délai commun. Ah, mais. Ouais, c'était rigolo, quoi. C'est vraiment un truc sympa. Tout le monde part, on était bridé, puis après, tout le monde part d'un coup, et là, les forces sont lâchées, quoi. C'est parti, l'hélicoptère qui tourne autour. On se voit tous en train de nager comme des fous furieux. Moi, qui avais vraiment été énervé, je bougeais pas, j'étais bien. Ouais. Vous voyez comme il bouge très très peu les jambes en nageant, c'est typique dans ce mode. Le même nageur va battre des jambes avec chaussures. Il y avait froid, il m'attendait, mais je n'arrivais pas à avancer, ça a été super bien. Je sais pas pourquoi, je suis rentré dans l'eau, et en fait j'ai l'impression qu'elle était super bonne température. La plupart ça rend service aux mauvais nageurs. Oui, oui, jusqu'à un certain point. Parce que voilà, exactement, il faut avoir des bras, il faut avoir des épaules, etc. Voilà. Et ça dépend des courses. Alors, il y a une grande variété de courses. Il y a des courses qui favorisent plutôt les nageurs, d'autres qui favorisent plutôt les. Alors, par exemple, on peut avoir des courses à 25% de natation. Là, les nageurs ont vraiment un avantage. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Ah, oui. La moyenne en ce moment est environ à 17% de natation. Mais on a par exemple quelque chose comme la Gravity Race où c'est du trail, vraiment du trail, et les portions de natation sont assez petites, à peu près 13%. Donc là, c'est avantage. Donc quand on choisit sa course, c'est aussi choisir sa distance, le profil, et c'est tout ça, ça compte aussi. C'est super bien dans l'eau. Il y avait le soleil qui se levait, je regardais les couleurs du ciel, c'était magnifique. Et le truc, c'est quand je tournais les bras, bah, je partais. Enfin, je veux dire, j'étais très bien. Et je l'ai vécu, mais c'est super bien. Je l'ai vu, par contre, à chaque fois que je me retournais, je voyais Sylvain loin. Et lui, par contre, le moteur n'avait pas commencé à tourner. Première sortie de l'eau, on était je crois qu'on est arrivé. 2 km. C'est la plus longue. Alors, dans cette course, c'est un 7. La plus longue que j'ai fait dans une course, c'était 2-4. Moi, en général, c'est des conditions de... Alors, yeah, ça vraiment, 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 ça varie. Ça peut être, les plus courts, ça peut être 30, 50 mètres, ouais. S'il y a deux îles très, 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 très proches. Et voilà, jusqu'à 2 km 4. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que normalement, les tracés, ils ont un sens. On fait pas, on va mettre une bouée à 100 mètres pour faire revenir pour faire 200 mètres. Pour aller d'un point A à un point B, donc on longe la côte, on va d'île en île, et c'est ça qui dicte la distance. Le plus court qu'on ait fait sur le Tilo, c'était combien? Je pense qu'il y a 50 mètres, il y en a une qui a. Non, mais c'était encore plus petite. Encore plus petite. Oui, oui, il y en a peut-être une. Voilà. Mais il faut aussi, on est en pleine mer généralement, donc il y a aussi les courants auxquels il faut penser. Il y a certaines traversées, il y a pas mal de courants. Quand je me suis retourné, je fais « Ah, là on voit qu'il y a du niveau et ça va être compliqué. » Les meilleurs mettent une demi-heure avant de retrouver la terre, ou plutôt des rochers, tellement glissants.
Juste revenir là-dessus, parce que c'est une chose que les débutants n'appréhendent pas au premier abord. C'est quand on est à bord d'une sortie d'eau, avec des rochers glissants, avec des vagues, avec l'hélicoptère qui tourne autour, on est assez désorienté, parce qu'il faut gérer 10 choses à la fois. Il faut gérer le fait qu'on est passé de la position horizontale à verticale, donc on a la tête qui tourne. Après, on n'a pas les mains libres parce qu'on a les plaquettes. Après, il faut gérer les pieds qui glissent. Après, il faut gérer son coéquipier, savoir où il se trouve, ne pas l'avoir perdu. L'aider si besoin est. C'est hyper important d'aider son coéquipier parce qu'on n'a pas forcément le réflexe, mais les meilleurs, ils arrivent à céder. Ils n'ont pas besoin de parler, ils arrivent à céder très rapidement. Après, il faut enlever le bonnet ou les lunettes. Il y a beaucoup de choses à penser. Et la plupart des conseils qu'on donne aux débutants, c'est de bosser les transitions. Bosser les transitions, ça ne sert à rien de bosser 2 heures ou 3 heures en natation si vous perdez 5 minutes en transition parce que vous avez un problème de zip, vous avez un problème de lunettes, vous ne savez pas où votre coéquipier. Donc ça, c'est très très important. Mettre à jouer les équilibristes avant de retrouver l'eau glaciale, puis une nouvelle sortie d'eau périlleuse. En 4 km, tous sont un aperçu de l'enfer dans lequel ils viennent de plonger. Alors, je ne voulais pas que c'était aussi dur en fait. Même si on est bienvenu, le fait de se retrouver dedans, et puis dire, ah ouais, c'était aussi dur que ça, d'accord. En termes de ravito, c'est. Ton propre matériel ou tu as des comme sur des courses sur route ou trail alors comme sur des courses de trail avec relativement peu de ravito, il y en a pas beaucoup généralement, donc là c'est aussi pas autosuffisance. C'est pas non la plupart des courses sont pas en autosuffisance, il y en a quelques-unes mais c'est rare, mais par contre les triathlètes sont parfois surpris. Ils s'attendent à avoir par exemple tous les 2 km ou même tous les 4 km quelque chose. Là, ils peuvent passer une heure et demie sans rien. Donc, il faut aussi savoir gérer ça. Donc, généralement, même si on n'est pas en autosuffisance, on transporte un petit peu de ravitaillement avec soi. Et sur le ravitaillement, on consomme plus de calories qu'en course à pied ou en triathlon. C'est un mélange de froid et aussi d'alternance des disciplines de température. Oui. Moi, sur un Ironman, je mange moins que sur un. C'est l'alternance, en fait. Alors, il y a probablement ça. Il y a aussi l'autre effet, c'est que justement, en changeant de position, le flux sanguin va changer et donc on va avoir une digestion meilleure. C'est moins difficile de digérer en sous-run qu'en triathlon ou en pure course à pied. Donc, je pense que c'est aussi pour ça. On est capable de manger plus, pas nécessairement qu'on a toujours besoin de plus, mais on est capable de faire. Mais le froid aussi, c'est. À quelques minutes, on trouve les vainqueurs de l'an passé, donc Daniel Anton, celui qui avait jugé Nicolas Rémirez trop faible pour s'aligner avec lui. Le français, justement, est 8e avec déjà 10 minutes de retard. Julian et lui le savent, ils sont moins bons nageurs. Ils misent sur les longues portions de course de la fin du parcours pour réduire l'écart. Après 2 heures de course à 16 minutes de la tête, Boris et Benjamin ont trouvé leur rythme de croisière. Ouais.
viennent sur ce sport, il y a un peu plus de créatures. Alors, ça change, c'est en train de changer. Il y a 4 ans, on avait des raiders, on avait des gens qui venaient du triathlon, mais du triathlon style Northman, Celtman, des choses comme ça. Maintenant, on trouve des triathlètes qui sont plus habitués à du parcours sur route, qui sont très surpris quand ils se retrouvent dans du vrai parcours technique, qui sont surpris aussi par le relativement l'aide qu'on a relativement limitée, que ce soit en assistance au point de vue des ravitaux, au point de vue de la navigation, du nombre de bateaux en mer, et ainsi de suite. Donc maintenant, il y a quelques trailers qui nagent, qui viennent là. Parce qu'ils sont assez costauds. Il y a des nageurs qui courent quand même relativement bien, et des triathlètes. Ou alors... Là, ils ont tous des bonnes jambes, des bons torses. Là. Ah, ils peuvent avoir couru beaucoup et ne pas avoir été très bons en course à pied pur, parce que justement, ils ont trop de masse musculaire dans le haut du corps. Et du coup, là, ils arrivent à être plus rapides, plus polyvalents. Donc là, le ventre n'arrive plus à supporter. Mais oui, là, on a marché, là. Là, c'est la première barrière horaire. Oui, on va voir comment ça se passe. Allez, des courses à pied assez longues, ils ont enlevé le haut de leur combi. On voit qu'ils ont carrément enlevé le haut de leur combi. Le chasuble est obligatoire de garder par-dessus. Vous voyez qu'il y a des variantes. Hein. Eux l'ont enlevé, il y en a d'autres qui l'ont pas enlevé. C'est vraiment très individuel. Pas toujours. On est souvent confronté à la situation suivante, c'est que un binôme de coureurs double un binôme de plutôt nageurs sur la partie terrestre et inversement. L'autre chose qu'il faut bien réaliser, donc là c'est une course assez longue. Quand on ralentit, je dirais que tout le monde peut marcher à disons 4 km/h, hein, en forme, etc. Par contre, quand la technique baisse en natation, là ça coûte très 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 cher. On peut être franchement à l'arrêt en natation. Si on suffit de demander à un vrai nageur, par exemple, et là, les nageurs, même fatigués, gardent une forme, une efficacité supérieure aux coureurs. Donc, en fin de course, on peut avoir des binômes nageurs qui vraiment déposent des coureurs.
Donc, c'est le jeu. Et plein de distance sur la Terre. Donc du coup, pour se souvenir de tout ça, c'est pas évident. Mais par des gens, ils mettent sur leur plaquette les distances de... Ouais, ou la version un peu plus courte. Alors sur le brin, moi honnêtement, j'ai vu tellement de fois... Où ça s'efface, ouais. Le frottement de la combi, ou alors il fait froid, on garde la combi longue et. Ah très bien. C'est bien. Moi, j'adopte donc cette technique, j'écris tout le temps sur la plaquette. Voilà, alors, le petit encart là, on le glisse dans la combi, sous la cuisse par exemple, ça marche aussi très bien. Alors, pourquoi c'est essentiel de savoir combien de temps on va courir ou nager? C'est savoir si on se desserre tout de suite, parce qu'on sait qu'il y a 10 km ou 15 km, ou alors on garde simplement le zip ouvert devant, derrière, pas besoin de s'embêter, on garde le bonnet, etc. Non, il aurait pu avoir l'affichage. Hein. Oui, mais justement, c'est pas l'esprit de la course, c'est pas balisé, il n'y a pas des panneaux tous les 10 mètres, c'est en pleine nature et on est responsable de soi. L'autre aspect, c'est que si, par exemple, on sait qu'il y a 2 km de course à pied où il y en a 10, on ne va peut-être pas faire la même allure. On va peut-être essayer de foncer un peu plus sur 2 km et se reposer les jambes en nageant. Alors que si on en a 10, psychologiquement aussi, c'est très important. Mais parfois, on peut mentir à son partenaire aussi. D'accord. Je vois l'exemple. Mais c'est pas loin. C'est juste après l'arbre. 65 de course à pied et 10 de natation. Une course à pied interminable pour traverser les Andes de Frontenay, avaler 20 km après plus de 5 heures d'effort pour peut-être réduire l'écart sur les hommes de tête. Alors vous voyez, je vais revenir sur la longe. La longueur dépend des personnes. Ça peut varier de façon assez grande. Il y a au moins 3 mètres presque entre les deux. Il y en a qui sont encore de plus courts. C'est par habitude. En fait, est-ce que les gens ils aiment bien nager dans les pieds de son binôme ou est-ce qu'ils veulent avoir un peu plus de distance? En fait, pour savoir ça, il faut vraiment s'entraîner avec son binôme. Et c'est pas facile de trouver un bon binôme. Parce que déjà, il n'y a pas trop de swimrunners et il faut trouver des gens où le caractère va bien, où le niveau n'est pas trop... Quoique le niveau, ça peut être très différent. Même, moi, j'ai nagé avec un gars qui ne savait pas trop nager. C'est très bien passé, on a fini un truc super long. Donc, ça dépend vraiment de la dynamique entre vous deux. Il y en a quelques de 5 heures,
paraît qu'il faut mettre des gaz et y aller. Bon, il reste quand même 3 heures derrière, on ne sait jamais trop où est-ce que ça va tenir. Bon, après, il faut essayer quoi. We never gave up on that last run. Indica was really pushing the pace, but trying to shut down to second, but never give up. Donc là, vous voyez, il y a un bateau de sécurité et on vise en face le ponton. Plus de 22 minutes, ouais, c'est pas... un gouffre presque impossible à contrer. Il faut qu'on aille vers l'eau. Par la mer. À des kilomètres de là, on s'apprête aussi à lutter, mais simplement pour rester en course, survivre au redoutable Big Swim. Il faut courir pour s'échauffer. 100% juste. Le problème, c'est que parfois, les distances de course à pied sont très courtes. Entre deux. Alors là, par exemple, il y a 1400 et la course à pied est à peu près 1,5 km maximum. Très technique, où on ne peut pas vraiment courir. Donc en fait, la natation suivante est plus froide. On a un ressenti plus froid que dans la première natation. Je l'ai fait une il y a deux trois semaines en Allemagne. C'était pareil, on avait deux portions de natation assez longues et à la fin, on n'avait que 900 mètres de course à pied entre les deux. Et donc on sortait froid d'une natation et on n'avait pas le temps de se réchauffer pour la suivante. Et ça, la gestion du froid, c'est une des difficultés de la natation. La natation, le fait de ne pas bouger les jambes, ça peut faire perdre beaucoup de chaleur aussi. Oui, peut-être un peu, mais généralement c'est plutôt le haut du corps où on a froid. Il faut aussi avoir encore l'énergie pour générer des contractions musculaires pour arriver à garder au chaud. Et les courses sont pas annulées parce qu'il y a trois vagues. Voir le point qui était pour nous guider, quoi. Et puis je lève une première fois la tête, et là vraiment je tiens à nez avec un phoque. Le truc est énorme. Et il me regarde, mais en fait il a peur, j'ai plus peur que lui. Donc du coup je me retourne et je dis à la fille, il y a un phoque, devant et tout, faut pas y aller quoi. Mais moi je me dis, bon, de toute façon faut continuer, je vais pas faire demi-tour, alors on avait passé la moitié. J'ai peur et à la fois j'étais heureux en fait, c'est trop marrant, J'étais vraiment avec la nature en fait. Le cerveau rentre dans un paradoxe où il y a une partie du cerveau qui se dit si on course, il faut aller vite, il faut courir, et il y a le chrono. Et il y a l'autre partie du cerveau qui dit ah, mais tu viens de faire subir 1,4 km de natte, tu fais hyper froid en grelotte, et là tu vas retourner dans l'eau, c'est hors de question, je freine. Et puis tu essayes de survivre, quoi, c'est man versus wild, là on était en plein là-dedans. Et ça va au-delà du sport, c'est l'expérience au kilo, c'est plus que du sport. En tête de course, les 20 km d'Orne livrent leur verdict. Un Canadien et un Suédois sont maintenant aux commandes. Deuxième, les vainqueurs de l'an dernier viennent de dépasser les leaders des premières heures en perdition après cette longue course à pied. Pour Nicolas et Julian, c'est l'occasion qu'ils attendaient. Come on, man. Go well.
Ça va,
part le moment qui fait que, qu'on a l'air au niveau d'aventure. Si j'avais été tout seul, je me serais posé dans un coin, je me serais endormi, j'aurais fait hypothermie ou hypoglycémie et basta. Allez, potion magique. La question difficile, c'est est-ce que je le pousse trop et qu'on commence à mettre essentiellement sa santé en jeu, ou est-ce que je pousse suffisamment juste pour qu'on finisse, qu'on boucle complètement l'aventure, mais sans prendre de risques exagérés. Moi, c'est ma voix qui a soutenu. Non, 5 heures à lui parler sans arrêt. Ouais, pour revenir à Swimrun, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est une expérience qu'on vit à deux. Et dans ce cas-là, j'aurais jamais pu finir. Mais on a fini à deux. Moi, je dis que dans cette expérience, nous avons dépassé mes limites. Voilà. Et c'est vraiment le cas. Mais ça aurait pu être exactement l'inverse. Ça aurait pu être le contraire. Et en fait, c'est ça l'expérience, c'est ça la nouveauté du Swimrun, c'est qu'on rajoute l'élément solidarité, l'élément équipe, qui fait qu'on est presque plus fier de finir à deux que finir tout seul. Et c'est souvent ce qu'on a comme réflexion à la fin. Les gens disent « Ouais, ok, j'y allais peut-être plus vite tout seul, mais je suis tellement heureux d'avoir fini, partager les souvenirs communs avec mon binôme, que ça rend l'expérience incroyable. » Aussi, il y a un autre aspect qu'on pense pas, auquel on ne pense pas tout de suite, c'est au contraire de ne pas aller trop vite au départ.
parce que on a tendance à, surtout deux hommes ensemble, à pas lâcher morceau. S'il accélère et il met l'épaule devant, moi aussi je vais accélérer, etc. Il faut arriver à être 100% honnête avec soi-même, mais aussi avec l'autre. C'est-à-dire dire dès le début, c'est un peu trop rapide pour moi. C'est trop fort. Quelle que soit la raison, aujourd'hui je suis moins bien, j'ai un coup de moins bien maintenant, quelle que soit la raison, j'ai besoin de ralentir et que l'autre à la fois accepte ça et soit capable d'écouter ça et de faire la même chose dans le sens inverse. Et moi j'ai couru avec certains partenaires qui étaient meilleurs coureurs que moi, moins bons nageurs et qui se sont épuisés en natation, mais sans jamais me le dire, ils étaient toujours à peu près dans les pieds. Donc ça va, ouais, ça va. Et puis au bout de 4-5 heures, ils étaient morts. Pas à cause de la course à pied, mais à cause de la natation. Et au moment où ils auraient dû être très forts, ils étaient épuisés. Et ça, c'est quelque chose d'important à gérer. On pense toujours au moment où il y en a un qui a vraiment un coup de moins bien. C'est relativement facile, ça, par rapport au moment où tout va bien. C'est quoi ma bonne vie? Et ça, c'est important. Oui, il faut dire, j'ai déjà dit, mais je insiste, à un moment donné, il faut être honnête avec soi et avec son binôme. Dire ça va ralenti, ça ne veut pas dire que c'est un moment de faiblesse, c'est que tu prévois qu'il faut que tu ralentisses, sinon ça va casser. Et de toute façon, il va y avoir un coup de moins bien pour l'un et pour l'autre. Moi, j'ai fait un swimrun de la côte Vermeille, donc c'était un long swimrun, il faisait 60 bornes aussi, avec un très bon trailer qui est vraiment beaucoup fort que moi, mais qui nage pas très bien. Et il nageait. La nage lui coûtait tellement cher qu'en trail, il était mort, quoi. Il faisait rien. Il n'avançait pas. Et je pense que le contrat va être vrai aussi. C'est-à-dire qu'un bon nageur, s'il ramasse trop en course à pied, nage, il ne fera rien. Et ce n'est pas parce qu'on a des bons chronos dans un super sport que sur le swimrun, ça va donner quelque chose. Parce qu'il y a tellement d'expérience, tellement de paramètres à maîtriser que. Et pas, faire confiance à son partenaire. Et là, vous voyez, là je ferme les yeux. Et réellement. C'est aussi un voyage à deux qui donne à ce périple tout son merveilleux. Il n'y a pas de couvrir, là. Un sentiment unique et inestimable de se sentir même au plus fort de la souffrance, parfaitement à sa place. Il n'y a pas trop de la faim. C'est vrai. Là, on a fait des ans de TE, et moi j'ai dit qu'on est à l'an 1. Dans le futur, dans les 10 ans qui viennent, ça va exploser. Parce que c'est tellement attirant pour tout le monde. I think what we see now is that the continent, Europe, France, Italy, Germany, they're starting to come here and learn about this. And so they can become basically immense. Vidéo qu'on a envoyé à la fédé de tri pour qu'ils expliquent au cadre ce que c'est souvent. Ça, c'est Annecy. Donc, vous voyez le genre de terrain que c'est vraiment du trail. Thank you.
passé à Beaulieu près de Nice. Là, c'est plutôt un parcours urbain, donc long, mais long de la course. Ouais, typiquement l'endroit où on peut prendre du gravier dans les chaussures. Et là, par exemple, oui, peut-être que des chaussures de route. Facile au niveau course à pied. C'est joli, etc. Milieu contrôlé, presque en ville, sécurité parfaite. Qui sont coupés les pieds comme ça, et c'est pas content. Voilà, on arrive à la fin de. Est-ce qu'il y a encore des questions? Il y en a un qui va être organisé à Marseille. Hein. C'est comment? C'est vous? Alors, on n'a pas tous les détails. Ouais, c'est pas nous qui l'organisons. Ah, c'est basé sur. Voilà. C'est la même organisation, Karma Sport, qui organise ce swimrun urbain. Donc, ça sera la même configuration comme Beaulieu, à savoir que ça sera un bord de mer. Et je pense que ça monte jusqu'à Notre-Dame. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, moi, j'ai discuté un petit peu avec eux et ils étaient en train de réfléchir sur à savoir le niveau de difficulté qu'ils mettaient dans les mises à l'eau. Vous voulez savoir s'ils voulaient le faire plutôt aventurier ou plutôt tout public. On les connaît, c'est une énorme histoire. Je pense qu'ils partent de la pointe rouge et puis qu'ils vont à la corniche et puis ils font sans arrêt comme ça. Les places, bien sûr. Mais je suis pas sûr. Elles sont limitées, les places, il faut vite les inscriptions. Alors, ça, il faut contacter les organisateurs. Elles ne sont pas ouvertes encore. Mais je pense que ça. Oui, c'est déjà calendrier. Oui, il y a une à Pérol aussi, non? Il y a une à Pérol. Non, il a été annulé. Alors, celui de Pérol, il apparaît encore sur certains calendriers qui n'ont pas mis à jour leur calendrier parce qu'ils ont copié le nôtre. Mais celui de Pérol n'aura plus lieu parce que dans l'équipe,